Bonsoir, mesdames. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Maman, c'est moi le maître de maison que vous avez contacté pour votre enfant là. Mais en temps normal, tu devais venir à 16h. Oui, oui. Mais pourquoi tu es venu à 13h? Maman, comme on le dit, la feuille sèche le baobab. Prie Dieu pour ne pas tomber. Alors que la feuille qui est déjà morte, qui est partée là, elle dit Dieu merci d'être tombée. Cela veut dire que caca de l'homme là, c'est moyen de mouche. Caca d'abeille là, c'est moyen de l'homme. C'est que tu mets dans ta bouche là, faut gêner que ça met. Madame, je suis venu pour une récit précis. C'est que Raph va reçu à l'école, hein? Maman, j'ai fait mes études en Allemagne. Je suis revenu en Angleterre. La reine d'Angleterre elle-même m'a appelé pour faire son contrat signé. Sa mort, c'est nous, on a programmé ça avec les États-Unis. Je sais de quoi je suis capable. Je suis venu pour une récit très précis. Oh, d'accord, donc je me vais appeler Raph pour venir, tu vas l'enseigner. Raph! Raph! Aïe! Hein? Mais il y a pas encore. Ouais, mais ça va bien. Mais ton maître de maison est venu. Hein? Ton maître de maison est venu. C'est malade. C'est malade. Tu as appelé le docteur. Oh oh. Tu as intérêt. Mais c'est qui ça? Samuel. Mais c'est qui ça? Le vieux Samuel. Mon beau petit Ralph. Y'a pas ici. Mon frère, c'est avec lui que tu lis. Oui, oui, maman. Il ne peut pas te respecter. Mmh. Si c'est tu là, faut bien le chicoter. Oui. Il faut le chicoter bien. Madame, vous êtes sûr de ce que vous dites? Frappe-le, si tu peux le tuer, faut le tuer. Attends, tout ce que ta maman dit là, c'est la vérité. Yeli, ton épaule, qu'est-ce que tu fais là? C'est dehors, hein? Viens ici. Mon petit, tu es au 2. Bon. On m'a fait un petit problème à ton niveau. Tu as compris? Tu as deux bonbons. Mmh. Le voisin, il te demande deux bonbons. Combien de bonbons te reste-t-il, mon petit? Oh, il me reste deux. Oh my God. C'est quoi ça? Mais... Raph, il n'y a plus trop t'es frapper. Faut m'expliquer pourquoi. Il va te rester deux bonbons. Explique-moi. Le voisin, il n'est pas bon. Il vient d'arriver mes conseils ici. Après, je ne peux pas lui donner mes bonbons. Mais fallait me dire ça. Je l'ai trouvé. Mais tu as trouvé, c'est la bonne réponse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais madame, calmez-vous. Votre enfant, vous voyez là, il est très sous-doué. Tout à l'heure, il a donné un petit problème. Je lui ai dit, il a deux bonbons. Le voisin lui demande deux bonbons. Il m'a dit qu'il lui reste deux bonbons. Tout simplement parce qu'il n'aime pas la tête du voisin. Mais pourquoi? Le voisin qui est gentil comme cela là. Tu peux pas donner les bonbons à ton voisin? Mais qu'est-ce que tu fais? Bébé, viens que je t'explique. Ton fils dit de ne pas donner ses bonbons au voisin. Attends, de quel voisin vous parlez? Le même Bokon Kofi là. Bokon Kofi qui vient ici. Attendez, c'est quelle histoire de Bokon Kofi? C'est quelle histoire de voisin? Quelle histoire de bonbon?